L'origine de l'astrologie, une exploration céleste des temps anciens. Introduction. L'astrologie, l'art millénaire de l'interprétation des positions des étoiles et des planètes, a captivé les esprits depuis des siècles. C'est une discipline qui trouve ses origines dans les temps anciens, où les civilisations regardaient vers le ciel nocturne pour trouver des réponses sur leur destinée et leur connexion avec l'univers. Dans cet article, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant à travers les origines de l'astrologie, plongeant dans les cultures et les croyances qui ont jeté les bases de cette pratique mystique. L'astrologie dans l'Antiquité. L'astrologie a ses racines profondément ancrées dans les civilisations de l'Antiquité. Les Égyptiens, les Babyloniens et les Grecs ont tous contribué à son développement. Les Égyptiens croyaient que les dieux étaient liés aux étoiles et aux planètes, tandis que les Babyloniens ont créé l'un des premiers systèmes de zodiaque basés sur les constellations. Les Grecs, quant à eux, ont ajouté une dimension psychologique à l'astrologie en associant les planètes aux différentes facettes de la personnalité humaine. L'influence de l'astrologie en Orient. L'astrologie s'est également épanouie en Orient, où elle a joué un rôle significatif dans des cultures telles que la Chine et l'Inde. En Chine, l'astrologie était étroitement liée à l'astronomie et au calendrier chinois, tandis qu'en Inde, l'astrologie védique est devenue une partie intégrante de la société, offrant des conseils sur les mariages, les carrières et les événements majeurs de la vie. L'astrologie à l'ère médiévale. Au Moyen Âge, l'astrologie a prospéré en Europe, bien qu'elle ait été souvent associée à l'occultisme et à la sorcellerie. Les astrologues étaient souvent consultés par les rois et les dirigeants pour prendre des décisions politiques importantes. Cependant, l'émergence de la science et de la raison a conduit à un déclin de l'astrologie, considérée de plus en plus comme une pseudo-science. L'astrologie moderne. Malgré les critiques, l'astrologie a survécu à travers les âges et continue d'exister aujourd'hui. À l'ère moderne, elle a connu une résurgence de popularité, en partie grâce à la facilité d'accès aux horoscopes et aux prévisions astrologiques en ligne. De nombreux adeptes de l'astrologie considèrent qu'elle peut apporter un éclairage sur leur personnalité, leurs relations et leurs perspectives d'avenir. Conclusion. Les origines de l'astrologie remontent à des milliers d'années, avec des cultures anciennes qui cherchaient à comprendre les liens entre l'homme et les étoiles. Au fil du temps, l'astrologie s'est transformée et a évolué, s'adaptant aux croyances et aux besoins des différentes civilisations. Bien qu'elle puisse être critiquée comme étant une pseudo-science, elle continue d'exercer une fascination sur de nombreuses personnes dans le monde entier. Que vous soyez un fervent adepte ou un simple curieux, l'astrologie offre une fenêtre fascinante sur notre relation avec l'univers qui nous entoure. Cliquez sur le lien présent dans la description pour découvrir d'autres ressources passionnantes concernant l'astrologie. À bientôt sur intuitionlibre.com.